Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, le WOD Team du vendredi. On va commencer mobilité, encore une fois, 8, 15 ou 22 minutes, choisissez en fonction du temps que vous avez, mais encore une fois, plus vous en ferez, plus ça vous sera bénéfique, donc n'hésitez pas à aller choisir la dernière option. Ensuite, on va partir tranquille sur 4 tours de 6 fentes alternées, 8 down and up et 10 montées de genoux. Donc là, le but, c'est de sur les 4 tours, de faire une montée progressive sur le palpitant. Sur les fentes, prenez bien le temps de poser vos appuis et on part sur 4 tours. Ensuite, le skill. Aujourd'hui, ça sera sur du shoulder tap parce que vous allez en avoir dans le WOD. 3 options. Soit vous pouvez le faire comme on le fait à la boxe, donc en position handstand contre le mur et on vient toucher sur les épaules. Soit vous le faites le même principe, mais les pieds sur une chaise, donc comme on le fait aussi à la boxe, mettez vos pieds sur la boxe, vous rapprochez vos mains, vous mettez les fesses en l'air et vous venez toucher les épaules. Ou alors, dernière option, si vous ne montez pas au mur ni sur une chaise, vous faites en position gainage dynamique, donc bras tendus, jambes tendues, et l'exercice, ça sera de venir toucher les épaules. Pour la progression, donc une fois que vous aurez fait l'échauffement, quoi qu'il en soit, vous allez commencer par le gainage dynamique, puis sur un appui, chaise, table, peu importe, table basse, pas la grande table, et vous terminerez sur le mur pour ceux qui en ont la possibilité. Ensuite, le WOD. Donc, vous êtes en team de 2. Team de 2, le but, c'est d'effectuer tout ça le plus rapidement possible à 2 et en relais. Donc déjà, premier point, il y en a un qui travaille, le deuxième qui récupère. Ensuite, le time cap est de 30 minutes pour arriver au bout de ce WOD. Le relais se fait donc de 5 à 105. Vous devez remplir chaque ligne de la manière que vous voulez, le plus vite possible. Mais toutes les 2 minutes, vous avez obligatoirement 30 secondes de récup. Donc pendant 2 minutes, vous enchaînez le plus vite possible de la manière que vous voulez. Mais toutes les 2 minutes, vous avez systématiquement 30 secondes de pause pour les deux. Obligatoire. Donc après, à vous d'être stratège. Et de bien savoir à quel moment vous faites vos rotations et le rythme que vous allez vous imposer. Donc pour le WOD, ça sera de la manière suivante. Vous avez 3 exercices, exercice 1, 2, 3, qui vont se répéter tout le long avec des répétitions au cumul. Vous ferez 5 burpees box jump. Donc vous faites un burpees, vous montez par-dessus la box, par-dessus le banc, par-dessus ce que vous voulez, la chaise ou autre. Si vous n'avez pas tout ça, vous ferez des squats sautés, enfin des burpees squats sautés. Ensuite, deuxième exercice, ce seront des fentes par jambe. Donc là, on sera à 10 fentes par jambe. Et enfin, 15 shoulder tap. Pareil, c'est en tout. 15, c'est 7 et 8. Vous faites 5, 10, 15. Et ensuite, on enchaîne 20, 25, 30, 35, 40, 45. Donc à chaque fois, chaque exercice aura des répétitions en plus. Donc, vous devez répéter ça le plus vite possible. Vous alternez comme vous voulez avec votre partenaire. Il n'y a pas de série obligatoire. Et toutes les 2 minutes, vous respectez une pause de 30 secondes. Si à 30 minutes, vous n'êtes pas arrivé au bout, c'est pas grave. L'objectif, c'est d'être l'équipe qui ira chercher le plus loin possible avec son partenaire. Voilà. N'hésitez pas à poster les vidéos et poster vos résultats sur les WOD comme ça. C'est toujours un peu sympa à voir. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Passez une bonne journée. Et puis, bon courage.